Bienvenue, ici Jake. Vous êtes sur la chaîne DivaSound Studio, une petite chaîne associative de gaming, principalement de radio, mais on ne fait pas que ça, on fait plein d'autres choses. Donc venez bien entendu nous rejoindre sur nos différents réseaux, Discord, et allez jeter un œil sur le site pour savoir tout ce qu'on fait aussi hors stream. Aujourd'hui, je vous propose pour ma part de débuter l'aventure Metroid Red et d'avancer au maximum. Je suis pas un méga adepte des Metroidvania, des jeux à la Metroid quoi, mais j'aime beaucoup les voir. Mais là j'avoue que quand il y a eu l'annonce de ce jeu de Metroid Red, j'étais quand même bien intéressé, bien tenté. Du coup, bah let's go, c'est parti pour le début de cette nouvelle aventure, Metroid Dread, du coup sur la Nintendo Switch. Voilà, vu que c'est un jeu Nintendo. Metroid qui est une vieille licence, hein, qui remonte... fin des années 80, début 90, si je ne me trompe pas. D'accord. Je pensais qu'il y avait une cinématique, mais non, on appuie directement sur A. Ajuster la luminosité. Jusqu'à ce que l'image de gauche soit à peine visible. Alors pour moi ça serait ça. Par contre ça veut dire que c'est un jeu qui fait peur ou bien? Je suis pas très fan des jeux qui font peur. On va voir. Metroid. Virulents organismes volants capables d'absorber l'énergie de leur proie au contact. Créé à l'origine par les Chozo. Les métroïdes tirent leur nom d'un terme chozo signifiant guerrier ultime. Leur valeur en tant qu'arme biologique ayant provoqué de nombreuses crises, ils ont fait l'objet d'une élimination systématique. L'espèce est aujourd'hui éteinte. Parasite X. Organisme parasité gélatineux, jadis endémique de la planète SR388. Capables d'absorber l'ADN de leurs hôtes, d'ailleurs, morts ou vivants, ils pouvaient ensuite répliquer leur forme. L'infection d'un hôte vivant leur permettait même d'accéder à sa mémoire. Dépourvus d'émotions mais mus par un puissant instinct de préservation et de renforcement de l'espèce, les parasites X se sont propagés à des hôtes de plus en plus forts. Leur capacité à déjouer toute forme de contrôle les a rendus plus dangereux encore que leurs uniques prédateurs, les métroïdes. Tout comme ces derniers, on suppose leur espèce éteinte. Ça c'est Samus. Elle a été attaquée. Les métroïdes ayant disparu de SR388, la planète se retrouva infestée de X. D'horribles parasites capables de prendre la forme de n'importe quel être vivant. Ignorant ceci, je me suis aventuré sur la planète, j'y ai été infecté et j'ai frôlé la mort. La seule chose qui m'a sauvé fut un vaccin créé à partir d'ADN de Metroid. Qui fit également de moi la seule capable d'affronter les X. J'ai pu mettre cette capacité à l'épreuve immédiatement quand je me suis rendu dans une station de recherche des laboratoires spatio-biométriques. BSL. Bah, du coup, biométriques, spatio-laboratories, je suppose, pour enquêter sur un signal de détresse. Elle a les yeux verts. Là, j'ai affronté de nombreuses formes de X particulièrement redoutables, dont le SAX, une copie de moi-même, dans ma combinaison de puissance au maximum de ses capacités. Finalement, j'ai éliminé la menace X sur SR388 en déviant la trajectoire de la station de recherche BSL pour qu'elle entre en collision avec la planète. Ouais, carrément. En gros, j'ai l'impression que c'est un résumé de tous les anciens épisodes de Metroid. Après ça, les X et les Metroid n'étaient plus que des souvenirs, du moins c'est ce que nous croyons. Alors que tout semblait terminé, la Fédération Galactique reçut une mystérieuse transmission vidéo.
pouvait y voir un X vivant à l'état sauvage. Des analyses poussées ont prouvé que la vidéo était authentique. L'expéditeur était inconnu, mais il a pu être déterminé que la transmission provenait d'une certaine planète. Elle avait pour nom ZDR. Si les X avaient réussi à échapper à l'extinction là-bas, ils constitueraient une menace pour toute la galaxie. La Fédération Galactique a envoyé une équipe de recherche de 7 EMI, E-M-M-I, pour mener l'enquête. Dans une tête qui fait peur, quand même. Les EMI sont des robots de grande taille conçus pour l'exploration, la capture de spécimens sur zone et l'extraction d'ADN. Leur extraordinaire mobilité et leur blindage, produits à partir des matériaux les plus solides de l'univers, devaient garantir le succès de la mission. Ok, bah ça a échoué. Mais peu après leur arrivée sur ZDR, toute communication avec eux fut perdue. Ok, ça a échoué. Que se passe-t-il sur ZDR? La planète est-elle vraiment infestée de X? Comme je suis la seule à être immunisée contre ces parasites, c'est à moi de m'y rendre pour le découvrir. Et je suppose qu'on va affronter les 7 EMI. Café terminé, je suis prêt. Nous allons bientôt pénétrer dans l'atmosphère de ZDR. La récompense pour cette mission ne semble pas être appropriée. Elle s'est écrasée. En quoi elle s'est écrasée? Et pourquoi elle a pas la même tenue? Enfin, armure plutôt. Cet ascenseur mène dans les entrailles du vent. Le signal sera celui de faible qualité et la communication difficile. Essaie de te connecter au réseau de la structure que tu auras dans le fond pour continuer en contact. Les objections, jeune dame. Ok, je pense que c'était un souvenir. Qui est là? Wow. Ça commence. Qui est cette personne, créature? Ok, il est insensible. Avec des missiles blessés même.
Oh là, il est rapide. Il a laissé en vie. En même temps, oui, sinon il y aurait plus de jeu. Et elle a rechangé de armure. Pourquoi? Ok, c'est parti. Donc la minimap est en haut à droite. Ça, c'est pour bouger. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Ok, bouger et viser. Viser. Je ne sais pas à quoi ça sert. Changer d'arme sûrement. Ok. Petit coup. J'ai peur d'appuyer sur les autres boutons. Attaque est normale. Je ne sais pas à quoi ça sert. Sauter. D'accord. Et les roquettes, vu que j'ai un joueur qui a marqué 15, je ne sais pas comment les utiliser pour le moment. Nous avons quelque chose à gauche. Ok, nous avons un truc à droite, je suppose. Nous avons un truc à droite, en effet. Appuyons sur moins, ça je laisse, ça je m'en fiche. Amiibo, j'en ai pas. Système, commande, ça sera plus simple. Option, se déplacer, élargir la mini-carte. Ah, ça c'est bien ça. Glissade, d'accord, visée libre, carte. Carte, ok. X, F, frappe de riposte. En courant, c'est une frappe en course. Y tirer, B sauter. A ne sert à rien. R mode missile. Dernier point de contrôle, dernier point de sauvegarde. D'accord, menu principal, très bien. C'est tout ce qu'il y a. On peut pas régler le son, quelque chose comme ça. Non. Très bien. Donc ça, c'est la carte. C'est la carte. C'est la carte. Ça, c'est le zoom. D'accord. Mon dieu. Ça a l'air tellement grand. Objet 0%. Ennemi mystérieux rencontré. C'est un événement, d'accord. Je ne peux pas rien. Je peux rien faire d'autre pour le moment. Tutoriel. Pour l'instant, j'ai rien. J'espère qu'on va tout apprendre correctement. Non, c'est pas là. D'accord. Carte globale. Attendez, quoi ? Artaria. Artaria. C'est une zone de la map. Et si je fais ça, c'est... Oh, punaise. D'accord. Il y a du boulot. Là, je peux placer un marqueur. Très bien. Icône en surbrillance. Samus. Rayon de puissance. Son arme par défaut. C'est sur Y. D'accord. Missile. Cette arme secondaire par défaut tire un puissant missile. Maintenez R, appuyez sur... D'accord, donc ça c'est pour changer l'arme plus le reste. Okay. Blindage missile, donc les portes et trouver des blocs cachés. Et ben, combinaison de puissance, une combinaison protectrice. Bon, je suppose qu'il va y avoir de l'upgrade à un moment donné. Pour l'instant, je n'ai rien d'autre. Très bien. Alors, sauter, c'est ça. Ah, ne sert à rien. Sérieux? Ok, alors attendez. Y. Non, c'est pas ça. J'ai pas compris. Bon, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Et c'est quoi le 99 avec un E bizarre, là? C'est une monnaie, une vie? Non, c'est ma vie. C'est peut-être ma vie, en vrai. Et peut-être ma vie. Ah, ok. Je peux faire des roulades ou pas? C'est quoi ça? Non. Non plus. Ok, glisser c'est ça. Très bien. Eh bien, soit. Let's go.
attendez. Tirer. Ah d'accord, je prends des dégâts, donc c'est bien ma vie. D'accord. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça non plus. Ah voilà, c'est ça que je veux faire. C'est pas facile à prendre en main en fait. D'accord. Et je récupère de la vie en éliminant les ennemis. Très bien. Tout en inclinant L pour courir, appuyez sur ça pour la glissade. D'accord. Maintenez L en mode visée libre et visez avec ça. D'accord. Mais là, il y a encore un truc là. Il y a un truc là peut-être, non? Ok. Il y a un double saut ou c'est juste... Aïe! C'est quoi qui m'a attaqué? Très bien. Ça attaque ça ou pas? En vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Étrange. Très étrange. Ah mais ça se reconstruit. Punaise, les blocs se reconstruisent. Mais je fais comment pour grimper en fait? Oh, punaise, je crois que j'ai compris un truc. Attendez. Ah non. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais je fais comment pour sauter en fait? Attendez, non, sauter c'est ça. Qu'est-ce que j'ai raté dès le départ? Il y a quelque chose ici là. Ça ne m'aide pas. Ou alors faut que je ressorte. Tac tac. Ah, il repop. Donc la grosse chenille va repop aussi. On va essayer d'aller vite. Mais elle va où? Elle redescend, punaise. Est-ce que je peux sauter dessus ou pas? Non. Et ça me remet des comme ça. D'accord, très bien. Ok, c'est cassé, mais maintenant, en vrai. Parce que ça repop en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas un grappin, j'ai pas... Je vois bien que ça clignote en jaune. Je suis bloqué. Je ne sais absolument pas quoi faire. Un marqueur, donc ça me dit là où je dois aller. Ça, je suis d'accord. J'y vais comment?
Pardon, excusez-moi. Maintenez L pour passer en mode visée libre et visée. Glissez avec ça. Très bien. Ça, ça va tout le temps dans le même sens. Oui, mais d'accord. Oh! Attendez. Il y a un truc là. Mais j'ai fait. Comment j'ai fait? Comment est-ce que j'ai fait? Punaise, mais c'est. D'accord. Mais il faut le savoir, ça, en fait. Bon, bonjour, qu'est-ce que tu veux? Vos munitions sont au maximum, d'accord. Donc la statue de l'ennemi qui m'a attaqué dès le départ, c'est pour recharger mes munitions, l'espèce d'oiseau, là. Il y a un truc là, il y a un truc là aussi. Il y a un truc là, hein. Maintenez R pour armer vos missiles. C'est fait. Puis Y pour tirer. Okay. Ok, merci. Et je peux faire ça à chaque fois ou... On va dire que oui. Certains blocs destructibles sont cachés. Si vous êtes dans une impasse, tirez autour de vous. D'accord. Et là, ça s'est ouvert. Pourquoi ? Cinématique. Donc un chorizo. Hein. J'ai pu déduire que tu te trouves quelque part dans les profondeurs de ZDR. Ta priorité absolue doit être de regagner ton vaisseau à la surface. La situation est délicate. Fais confiance à ton instinct en faisant route vers le haut. Cette planète semble être divisée en plusieurs zones. Des navettes, des ascenseurs et d'autres modes de transport les relient entre elles. Reste à l'affût de moyens de regagner la surface. L'emplacement de ton vaisseau est indiqué sur ta carte globale. Regarde par toi-même. Tu pourrais te retrouver dans des poches de basse température. Ton ADN métroïde te rend vulnérable à de tels environnements. Passer trop de temps dans des zones froides te sera nocif. C'est bon à savoir. Le sous-sol est jalonné de nombreuses zones froides. N'y entre pas avec ta combinaison de puissance de base. Ok. L'IA est en train de tout nous spoil en fait. Hein. Une dernière chose, des interférences souterraines empêchent les transmissions radio. Contacte-moi à l'aide des stations de réseau que tu trouveras en chemin. Appuyez sur plus pour ouvrir la carte, appuyez sur moins pour ouvrir le menu des options.
Message d'Adam reçu. Tu as pu accéder à une station de réseau. Bon travail, j'ai passé. Bon, après. Après, on a tout lu. Ah, carte et option, bloc caché, mode missile, visée. Ok. C'est bien qu'il laisse ça dans le menu, je trouve. Du coup, si je mets la carte, je dois revenir en arrière. Non, c'est pas ce bouton, c'est celui-là. Non. Ça, c'est juste une unité de recharge. Il m'a juste dit d'aller vers le haut, en fait. Mais il y a des portes que j'aimerais ouvrir. Les portes sont jaunes. Techniquement, je suis censé ouvrir. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais c'est bon, c'est déjà à sauvegarder, en fait. Aïe. Là, il y a un petit truc. J'aimerais pouvoir y accéder. Mais... Comment faire? Je ne sais pas. En attendant, j'ai plus toute ma vie. Bah, poursuivons en vrai. Je vois pas pourquoi faire d'autre. Ah oui, c'est ce bouton. Aïe! Et ça s'ouvre pas. C'était pas tout à fait la même couleur. Oh. Utilisez une frappe de riposte au bon moment pour parer certaines attaques. Et viser automatiquement l'attaquant. Appuyez sur X pour maintenant. X maintenant pour y poster. Parer les attaques ennemies avec une frappe sur les postes. Appuyez sur X au bon moment. Je vais mourir, je suis mort. Oh là. Game over. Ça commence bien, bien sûr qu'on continue. Passer ça. D'accord, c'est ce combo là. Punaise. Attends, mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait tout à l'heure pour monter? Oh punaise. En fait, faut que je fasse plus attention quand j'appuie. Ok, il a été touché. Mince! Attendez. Viser.
appuyer sur X en courant pour effectuer une frappe en course. Il y a un passage en haut là. Voilà. Qu'est-ce donc ? Si une zone de la carte clignote, il y a un objet caché. J'ai pas vu exactement ce qui clignotait, mais bon. Des missiles, très bien. Ça, ça s'ouvre et l'autre côté va s'ouvrir aussi. Alors deux secondes. Que le téléphone sonne en fait. Attendez. Hein. Désolé, c'était important, du coup je devais écouter le message. Bon, on passe la porte. Oh, non, on passe pas la porte, on passe, punaise. C'est un des émis, ça. Il est pas content. Hein. Mais il m'attaque là. L'attaque d'un émis peut être contrée en appuyant sur X au moment exact du flash. Pour les timings, c'est Eric qui est évoqué, d'accord. Attendez. Incliner L, appuyer sur ZL. D'accord. Mort ? Je suis mort. Wow. On va pas passer par là, en vrai. Je peux pas. Attendez. Non, c'est une blague. Je peux pas revenir en arrière. Comment je fais ? Mais non. Punaise, j'aurais dû aller à gauche en premier. C'est ça le truc. Oh là là. On refait la cinématique. Il a l'air bien amoché quand même.
Ah non, je peux fuir. Mais il me suit ou pas? Oui, il me suit. Il saute ou pas? Est-ce que ça saute, ce machin? Punaise, il... Il a l'air de bugger un peu quand même. Et je fais quoi maintenant? Non! On recommence. Encore. On peut pas passer la cinématique? Ah, moins. Voilà. Finaise. Voilà, ça c'est fait. Là, il va grimper. On peut pas fuir, je suppose. Mais non. Il a l'air buggé. Ah ouais, il a l'air il a l'air un peu teubé, hein. Non, je voulais passer en dessous. Comment je fais? Mais c'est... Il faut contrer son attaque pour l'étourdir. C'est ultra dur. Oui, bon, on a compris. D'accord, et maintenant? Je suis obligé de l'éliminer pour continuer, en fait. Là, il grimpe pas. Non, il ne grimpe pas. Ah, mais je peux continuer. Punaise, pardon. Ok. On dirait un gros cerveau. L'énergie de l'unité centrale a transformé votre canon en canon Oméga. D'accord. Maintenez L pour passer en visée. Visée, patati patata, ok. Maintenez R pour accumuler de l'énergie. Une fois la charge terminée, appuyez sur Y tout en maintenant R pour tirer. Faut appuyer sur trois boutons en même temps. Très bien. Il est où le machin? Bah, il est passé où? Il m'a fait peur.
Y, allez, j'ai tapé. Ça c'est joué à rien. Canon méga épuisé, déconnecté, retour au canon ordinaire. Ça sert que une fois, d'accord, très bien. Mais du coup, si je reviens là. Bonjour. Non, c'est juste une fois, d'accord, très bien. Soit. On peut revenir là. J'ai du mal l'animation là. Carte. Je peux retourner là-haut. Je pense que c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un checkpoint? Un point de sauvegarde. Tout simplement. Il y a un truc à casser là en vrai. Hop hop, de l'eau, attention. On a dit attention à l'eau. Et ça a servi à quoi? À part me bloquer le passage. Aucune idée. C'est Adam? Non, c'est pas Adam. Aller où? Tout ça, je l'ai fait. C'est une autre zone. Là, il y a une zone ici. Là, il y a un machin ici avec une porte là. Là, il y a un point rouge. Donc, il va falloir que je m'y dirige. Là, il y a des portes que je ne peux pas ouvrir. Que, ou du moins, que je ne pouvais pas ouvrir tout à l'heure. Pareil, là-haut. Et là. D'accord. Et maintenant? Non, je reviens là. Non plus. C'est perturbant quand même, hein. J'ai beaucoup de mal à sauter et à m'agripper. Voilà, je suis suivi, ça y est. Bonjour GLaDOS. Ah, il est tout neuf lui. Oh, il court vite. Il passe en dessous ou pas? Non. Mais pour combien de temps? Ok, là j'ai pas d'autre choix que d'aller de ce côté. Mais punaise! Qu'est-ce que... C'est quoi ce feu?
Tu meurs. Pourquoi je vais là? J'aurais dû passer par en bas en fait. Il est où maintenant? Punaise, il est là. Et là, je dois faire le tour par là. Ça fait peur, ça fait peur. Il m'a attrapé. Je vais descendre, hein. Bon, je descends pas. Tant pis. Sauter, c'est une horreur, en fait. Vraiment avoir le coup de main de ce machin. Ok, j'ai perdu. C'est affreux, c'est vraiment affreux. Ok, je peux pas passer par là. Par où je peux passer du coup? Oh punaise, je crois que j'ai compris. Non! Je passe par l'eau, je crois. Je crois pas qu'il y aura une fibre dans l'eau. Moi j'ai le faire. Ok, maintenant. C'est une zone étrange. Réserve de missiles obtenue, capacité, ok, d'accord. Je peux pas passer. Hop, 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 hop. Ok, là il y a une porte.
Il y a aussi une porte en bas en fait. Il y avait une porte en bas. Pourquoi je peux pas passer? Très bien. Donc je suis obligé de monter. Le jeu serait-il linéaire? C'est bizarre quand même. En mettre, oui. Moi j'ai pas souvenir qu'ils étaient tous linéaires. Les deux ennemis que tu as rencontrés tentaient clairement de te capturer. Il est possible qu'ils aient été piratés. Si tel est le cas, on peut raisonnablement en déduire que tous les ennemis seront hostiles. Sans blague. Les ennemis émettent des pulsations pour détecter les vibrations de l'air dans un certain rayon. En d'autres termes, ils peuvent t'entendre. Quand un ennemi détecte des vibrations, il entre en mode de surveillance pour trouver leur source. Reste hors de sa ligne de mire lorsque cela se produit. Dans le cas contraire, tu t'exposes à un grave danger. Si un ennemi te repère, il te prendra en chasse. Un élément du protocole de poursuite est de sceller les sorties de la zone ennemie. Tu seras piégé à l'intérieur. Pour survivre, tu devras quitter son champ de détection. Si tu échappes à l'ennemi, il cessera la poursuite et les sorties seront décellées. Un ennemi ne quitte jamais la zone qui lui est assignée. Son système de contrôle ne lui permet d'être opérationnel que dans ce périmètre. En cas de capture par un ennemi, la probabilité de ta mort est de 99%. Eh ouais, je m'en suis rendu compte, hein. Il existe une infime possibilité de fuite, mais mettre à profit cet intervalle est virtuellement impossible. Les ennemis sont insensibles à tes armes actuelles. Tu ne disposes pas de l'énergie singulière qui t'a permis de vaincre le premier ennemi. La seule option qui s'offre à toi consiste à éviter de te faire capturer et à trouver une sortie. Dans les zones ennemies, ta priorité absolue doit être la survie. Compris. Mais mettre en pratique, c'est autre chose. Je viens de là. Bon, eh bien, allons là. Comment je fais pour y aller là-dedans? Bah. Non, sérieusement, comment je fais pour y aller? Je sais pas. Est-ce que je suis dans une zone ennemie là? Un truc bizarre sur la gauche. Une porte ici. Alors attendez, la carte. Je viens de là. Il y a trop de choses sur cette carte, beaucoup trop de choses. Oh, un bon punaise, un ennemi.
Punaise. Enfin, un ennemi, c'était le ennemi qui me suivait tout à l'heure surtout. Bien, poursuivons carte. Donc je suis allé là. Je suis passé par là. Faut que je refasse ce que je viens de faire en carte. C'est pas cool. Eh bien, refaisons, hein. Pardon, désolé. Bon, alors maintenant, recarte. L'ennemi, il est là-haut à gauche. Peut-être dois-je aller... Voilà. Voilà non plus. Reviens ici. Est-ce qu'il me suit? Il n'a pas l'air de me suivre. Très bien. Et si je reviens là, et là-haut il doit y avoir l'arme, je suppose, pour le vaincre. Sauf que comment j'y accède? Je ne sais plus, mon Dieu, mais il me suit vraiment en fait. Descends, descends, Samus. Et là il me suit ou pas? Je ne sais pas. Je peux pas aller là. Je peux aller ici. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et maintenant? Comment voulez-vous que je lui échappe? Il y a un poil plus avancé. C'est pas suffisant, mais bon. Je suis là, je risque rien. Je pense. Tant que je suis là, je ne risque rien. Il passe! Non, 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 il passe, il passe, il passe, il passe. En bas, en bas, en bas, en bas. Non! Et comment vous voulez que je fasse ça? S'il est loin, je peux passer la porte. Pourquoi?
Ça passe, ça passe, ça passe. Oh, yes. C'est quoi ça? C'est méchant? Ça a l'air. J'ai pas une réserve d'oxygène, on est d'accord. Je peux pas aller là. Lui échapper, soit. Je peux pas aller là-dedans, ça, ça me frustre un peu ça. Oh, j'ai fait une bêtise, Alors, carte, maintenant, on revient là. Tout ça, c'était la course à l'émi. Il y a tellement de choses. Bon bah, descendons. Je peux pas aller là-haut? Sérieux? Ah ouais. Ok. Je sais pas si c'est inoffensif ou pas ces choses. Je pense pas. Un moyen de passer là. Pourquoi je pourrais pas passer? Ah, le niveau doit baisser ici, d'accord. Voilà. Énigme. Ça me dévoile les nouvelles choses de la carte. Sur la carte, les salles colorées en jaune sont des stations de sauvegarde. En violet, c'est des infrastructures de transport. Ça, c'est bon à savoir. Donc, ça veut dire que là, il y a un truc de transport. On va essayer de s'y diriger, si c'est possible. Là-haut aussi. Et là-bas, au fond... Oh, punaise, au fond, là-bas... Quand même le gros bordel. Hein. Carte.
J'ai tout utilisé. Bon, ça va, il me les a remontés. Cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. Yes, j'ai réussi. Non, j'ai moins réussi. Ok. Et maintenant. Oh, ça fonctionne. Je peux remonter là. Mais là, du coup, je peux quand même pas y aller. Mince. Attendez, vous savez quoi? On re-sauvegarde, c'est toujours utile. Ok. Donc j'étais passé par là, puis par là. Voilà. En haut. Non, c'est pas ça. Carte. Je suis allé là. Je suis monté. Là, je peux pas y aller. Et là, c'est revenir en arrière. Donc, je dois descendre. Est-ce que je peux remonter après pas? Non, je peux pas. Donc faut bien que j'aille par là. Ça, c'est une zone à Amy, ça. Oh oui! Punaise, il est là! Courir. Je peux pas passer. Je peux pas m'en aller. Punaise. C'est quoi ça? Bloqué. On se casse. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Très bizarre. Punaise, mais il est partout.
Oh là là, il m'a déjà retrouvé, mais fous-moi la paix. Quoi, c'est quoi qui m'a tué? La petite bête. J'appuie sur quoi? Sur ça. Bonus? C'est quoi ça, bonus? Les cinématiques, peut-être? Bon. Je m'y prends mal. Pour cette EMI. Oh, faut que je revienne là-bas. Aïe. Attendez, c'est vraiment par là en vrai. Non, faut que j'aille à gauche. Il y a ça là. Ça, c'est la vie. Ok. Attendez, on va aller là-bas d'abord. Normalement, il n'y a rien là. Ouais, je peux pas passer. C'est pas intéressant. Donc, faut bien que j'aille par là. Par là. Par là. Ensuite, on clean. Si j'y arrive. Bien, carte. Allez, en haut, ça m'apporte rien à pas recharger. Donc, je vais bien en bas. Passer par ici, ça ne sert à rien. Je suis obligé de... C'est quoi ça? Un petit couloir là. Je suis obligé d'aller en bas dans la zone de l'EMI et j'ai besoin de la carte en fait. Stop. Une arme. Je ne possède pas. Là, je reviens en arrière. Ah bon. Punaise, il m'a fait peur. Est-ce qu'il y a un truc là-haut? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici. Là, je peux pas y aller. Allez, c'est mort.
Il y a une porte que je dois rater. Ce qui m'embête, c'est qu'il faut refaire toute la carte. Quoi. Là, il y a ça, là, mais il faut faire ici. Là, il y a un truc spécifique, mais quoi? Et Samus qui s'est pas sauté. Samus, punaise! Bon, il y a un truc au ventre. Je pense que je suis safe. Énergie au maximum. Là, il y a une porte. Un truc là-haut. Je vais pas y aller. On va aller là-bas. Pas y aller. Ah bon. D'accord. Très bien. Passage en bas. Allez là. Qu'est-ce que... Rayon de charge. Enfin un truc intéressant. Concentre l'énergie du rayon pour déclencher un tir puissant. Faut maintenir pour charger et tirer. D'accord, je peux toucher les boss avec ça. Et je peux ouvrir les portes rayons de charge. Samus peut réaliser une attaque chargée en effectuant un salto. Ah bon?
Nickel, donc les oranges ça passe. Carte. Et là je reviens au début. D'accord. Il faut que j'aille là-bas. Mais je pourrais très bien aller de l'autre côté. Est-ce que je peux revenir après? Je pense que oui. Allez, go. Finaise. De zone. Réserve d'énergie obtenue. Ouais, c'est juste de la vie quoi. Là je continue. Je peux pas sauter par contre. Là c'est pas possible. Faut que je fasse tout le tour. Non. Faudrait que je fasse le tour, je pense. Oh punaise. Mince. C'est vrai que... Alors attendez. Du coup, si je fais ça et que je fais ça... Ça lui met des dégâts quand même. Voilà. Et je régène un poil. Donc là où je suis, enfin là où je suis là, ouais, c'est déjà pas mal. Je pourrais continuer à monter et voir ce qui se cache ici. Ouais, portrait, on recherche ça. Donc attendez, je suis où? Je suis là, je monte. Là, je peux pas y aller. Je monte là, je vois ce qui se cache ici. Ensuite, je reviens en arrière. Là, il y a un truc ici. Et je peux accéder là. Et donc au reste. C'est pas du tout l'objectif principal. Hein. Je dis de suite, mon dieu. Où est l'oiseau là? J'avais dit là-haut par là. Il y a des bestioles de partout. On sauvegarde. De passer par un point de sauvegarde, toujours sauvegarder, c'est utile. C'est un couloir, ça revient juste à aller ici. D'accord. Ça c'est une zone ennemie, attention, on fait gaffe.
pour m'échapper par contre. Comment est-ce que je vais faire? Attendez, parce que là je vais me planter là. Punaise! Je me souviens plus du chemin. Carte. Bon, du coup, je me suis reperdu. Il y a un truc en bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc derrière. Alors. On va faire attention, mon dieu. Cool. Ça, c'est bien ça. Comment je passe? Passe comme ça. Il y a des gros cailloux à casser. C'est pas comme ça. Ça sera peut-être un prochain pouvoir. Oh punaise! Je veux sauvegarder s'il vous plaît. Je peux pas! Je suis bloqué! Non! En visée, punaise. Voilà. On va rester par là, c'est très bien. Ok. Il fait trop chaud, on n'y va pas. Pareil. Oh la sauvegarde. C'est stressant ce jeu en fait. Hein. Non, bah,
que c'est. Le flux de carburant thermique a été redirigé. Ça veut dire quoi? J'ai accès à ces portes. Mais oui, mais vous êtes gentil, mais il est comment? En arrière. Voilà, ça c'est fait. Bizarre ce truc là. Jusque là, c'est supportable. Y'a quoi ici? Je reviens là. Ah, mais attendez. Je reviens ici. Là, je peux pas y aller. C'est hyper risqué. Les portes comme ça, maintenant orange, je peux les passer. J'ai où maintenant? Ici. Et non. Et non. Non, non, non. Donc, il faudrait que je remonte, je redescende et que j'aille là. Attendez, on sauvegarde. La base de données de la Fédération ne contient aucune trace de ton assaillant. Cependant, il y est fait mention d'une tribu de guerriers de Chozo. Il est très possible que les deux soient connectés. Tu as vu l'architecture et les artefacts de la tribu de guerriers sur cette planète. Tout indique que c'était une de leurs colonies. Mais pourquoi quelqu'un te guiderait ici et enverrait les élites pour chasser? Il se peut que les images du parasitique s'étaient mises en scène pour t'attirer. La situation reste floue, mais ta priorité n'a pas changé. Tu dois regagner le vaisseau. Tu as activé le système d'alimentation en magma. Les portes thermiques fermées sont à nouveau opérationnelles. Cherche-les pour avancer. Continue de chercher l'énergie singulière que tu as utilisée contre le premier ennemi. C'est ton seul moyen de leur tenir tête. Malheureusement, cette énergie est limitée. Tu as peut-être remarqué qu'elle se dissipe après la destruction d'un ennemi. Il y a encore 6 ennemis qui cherchent à t'attraper. Tu n'as aucun moyen de les affronter. Souviens-toi. Très bien. Alors attendez. J'ai dit que je passe, ça c'était bon, mais c'était pas cette porte que je cherchais, moi c'était celle-là. Faut que j'aille ici. Donc je vais tout droit, en bas. Enfin tout droit, à gauche, en bas. Parce que ça sert à rien d'aller en haut de toute façon. D'accord. Ça va être tendu. Bonjour. Je suis toujours en zone ennemie là? Non. Il est au-dessus. Punaise. Alors là, il y a un truc, mais je pense pas pouvoir y aller. Je continue à aller en bas. Ok. Toujours une zone ennemie, génial.
s'en fout, punaise, non, on s'en fout pas. Oh, bon. Carte. Ok. En haut ou en bas? Oh non, cinématique. Encore? Génial! Punaise! Avec ça. J'ai pas compris. Mourir. Punaise. Oh, et l'autre qui se réveille. Punaise. Ne pas se tromper, ne pas se tromper, ne pas se tromper. Je sais plus comment on fait. L'énergie, ok, d'accord. Décharge, ok. Rafale, ok. Maintenez elle pour passer en mode visé. D'accord. Visé si une cible est proche. Maintenez. Maintenant, ne pas se planter, ne pas se planter. Il est au-dessus, faut que j'aille en bas. Voilà, l'idée ça va être de l'attraper quoi. Il grimpe. Non, 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 non. Mais je vais remonter trop loin.
Viens faire le tour. J'ai pas eu le temps. Déverrouille la carte au passage, ça sert toujours. Ok, il arrive. J'ai pas eu le temps, punaise. C'est tellement difficile. C'est horrible. C'est horrible. Comment faire, quoi? Ah, ça y est, en plus je me plante. Arrête d'appuyer n'importe où. Voilà. Allez, tire. Le trou est fait. On reva. On reva, c'est français, ça. On retourne chercher les mines là. Tac, il est où au-dessus? Bon, on va l'attendre. On va l'attendre, il arrive par là. Ok, vas-y, viens. On t'attend. Enfin! Enfin! Et de deux, c'est le deuxième. C'est quand même très bizarre hein, ce qui se passe au niveau scénario. Arachnoément obtenu. Oh là, j'aime pas ce nom. Qu'est-ce que ça fait? Permet à Samus de s'accrocher au mur et au plafond de surface magnétique bleu à l'aide d'un champ magnétique. Inclinez le joystick L dans la direction de certains murs et plafonds pour les agripper. Samus peut se déplacer et attaquer en restant suspendu. Maintenez le joystick L incliné vers le haut lorsqu'elle est accrochée à un plafond pour qu'elle se colle contre lui. Alors attendez, je regarde l'image. Ok, elle se fait les bras et elle peut tirer comme ça. D'accord. Et elle peut se mettre vraiment entièrement au plafond. Donc, attendez, je relis. Elle peut s'accrocher au mur et au plafond bleu. Il y a juste à jouer avec le joystick, en fait, c'est tout. Maintenez elle inclinée vers le haut lorsqu'elle est accrochée au plafond. Ok, soit, très bien. Pourquoi pas. Canon méga épuisé et déconnecté, retour au canon ordinaire. Oui, c'est normal, comme tout à l'heure. La zone est maintenant censée être safe, je dirais. Ça, je sais toujours pas ce que c'est. Ah, je peux peut-être m'accrocher là pour ouvrir ça. Intéressant.
Je suis où? Je suis là. À la base, je voulais aller quelque part, mais je sais plus où, en fait. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est la statue. Oui, j'étais censé aller par là, que j'ai complètement passé à côté. J'ai fait autre chose. Il y a ça qui clignote. Il faudrait que j'aille par là. Mais ça serait ouvrir ça. Mais ça, je sais pas comment l'ouvrir pour le moment. C'est une porte à verrou sensoriel. Sensoriel, d'ailleurs, pardon. Là, il y a un truc via, je suppose... Ah, ben le passage, là. Voilà. Il y a ce passage-là. Donc, il va falloir que j'aille sur les parois bleues de là, faire l'escalade, ouvrir ça, qui va me permettre d'accéder à ça. Et je suppose qu'il y a un passage au-dessus. Peut-être. Je ne sais pas. Où suis-je? Ici. Je vais voir ce qu'il y a ici, là. J'aime pas voir les traits de la map qui sont pas propres. Il y a là aussi, il y a ça. Tout à l'heure, j'ai sauté là, mais il y a ça. Allez, j'ai pas fini la glissade. J'ai pas fini la glissade. Il y a un truc là. Bon, on va se balader, hein, de toute façon. Oh, bonjour, qu'est-ce que c'est? Ah! Mince! Zut, bon, au revoir. Je vais réussir, oui. Voilà. Donc là, je suis accroché. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que je finis la glissade ou... Oh, c'est mignon ça. D'abord finir la glissade. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien du tout. Génial, je suis content. On monte. Grande salle. Il y a un truc rouge ici. Là, ça redescend. Là, ça m'intéresse pas. Ça, c'est une porte. Bah, en fait, il faut juste que j'aille à la gauche. Voilà, c'est ouvert, finalement. Et là, il y a quoi? Je comprends pas. Ah, punaise, ça sera peut-être une autre capacité. Pour l'instant, je peux pas aller là-haut, clean proprement le plafond. Enfin, la map. Donc. Bon, ensuite, je vais où? J'ai dit que je voulais nettoyer ça. J'irai peut-être plus tard. C'est quoi ça? Ok. Mince, je voulais aller où? Ah oui, escalader là, peut-être là-haut. Donc je continue par là. Ah, le retour. J'avais ouvert la porte là? On va dire que oui. Bon, sérieusement, je l'avais ouvert ou pas? Porte scellée. Mais je peux accéder des deux côtés. C'est pas... Ça servira juste de raccourci. Pourquoi il y a un machin là? Je sais pas. Ça sert à rien? Non. C'est de l'autre côté qu'il fallait passer? De vanne. Faut que je passe par là, mais pour aller là, faut que je descende. Hop, 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 on se calme. Et pour maintenant, je peux pas aller là-haut, je peux pas aller là non plus. Ça clignote ici. Pourquoi ça clignote là?
Oh, j'aille par là. Paumé, ça y est. Je suis paumé, il faut que je monte là. Je vais là. Non, c'est une porte scellée. Porte rayon de puissance. Si je vais là, je me retrouve bloqué de nouveau. Comment je vais faire? Porte rayon de puissance. C'est quoi ça? Ça y est, je suis perdu. Il faudrait que j'aille là aussi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais pour ça, comment attendez. Si je vais aller là, je suis ici. Je peux retourner en arrière. Redescendre. Et non. Je peux pas aller là. Oui, il faut que je refasse tout le tour en fait. Je peux passer par là. Si je fais comme ça, je vais là et je redescends. Allez, on fait ça. Punaise de choses. Je sais pas ce que c'est que cette créature, mais c'est pas joli. Ok, d'accord. Mais oh, je me hais. Non, il y a une info que j'ai pas. Il y a une info que j'ai pas là. C'est sûr. Bonjour. On se calme. Je fais que passer. C'est que moi. Ça, c'est la salle du boss. Ça ne sert plus à rien. Reviens ici. Là, je suis ici. Maintenant, je fais la carte. Je monte. Là, je peux pas y aller. On est d'accord, ça glisse. Ah! C'est gratuit. Mais je peux pas aller en haut à gauche. Je pense que la clé est ici. La clé pour passer. Quelque chose pour passer est ici. Pas passer là. Ou alors. Non plus.
Il y en avait deux. Punaise, il y en avait deux. Oh, c'est bon. Je vais pouvoir avancer. Je pense. Juste. Reste accroché. C'est une porte, ça, c'est quoi? C'est une porte. Y a un ennemi que j'ai pas encore rencontré. Génial. Eh ben, on va faire connaissance. Y'a quoi en bas? Et ça me ramène. Ici, parfait, je sauvegarde. Ça faisait trop longtemps. Ça faisait beaucoup trop longtemps. Allez, on y retourne. Voilà. Alors là, c'est tout droit. Bon, en fait, c'est tout droit. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est dégueulasse. Ok. Mais... ça a bougé. Plaisir dans les créatures quand même, les créatures. Ah, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Ok, j'ai compris. Allez, avance. Ça a l'air d'être immunisé, ce machin à mes tirs. Ok. Tout simplement. Tout simplement, les gros missiles. Allez, Amy, vas-y, montre-toi. Pourquoi c'est rouge? Pourquoi il dab? Pourquoi la statue elle dab? Il est invisible! C'est un boss. Et il est invisible. Génial. Il peut pas prévenir que c'est un boss. Genre, attention, vous mettez plein de munitions, on sauvegarde. Bon, d'accord, j'ai plein de munitions. Pas gérer les boss ici. Je peux pas monter dessus non plus. Génial, je suis heureux. Il veut pas me donner, je sais pas, des munitions, de la vie. Je peux rien faire d'autre. Allez, meurs. Voilà, ça c'est bien. Bon. Les missiles, ça fait des dégâts. La mitraillette, ça n'en fait pas. Par contre, moi, je prends cher. Faut que j'apprenne à mieux viser aussi, au passage. Il y a une, je pense, une compétence du boss que j'ai pas captée. Mais en plus quoi, mais cette arnaque.
Allez, sors de ta tanière. Ok, là je suis full. La vie est bien aussi. Non, ouvre-toi. Le boss, la cinématique, on l'a vu. Alors. C'est une grande salle. Tout ce qu'il y a de plus grande salle. Il y a un truc à la queue. Il y a un truc à la queue. Attendez. Il y a un truc avec la queue. Punaise, il a fait un bruit bizarre. Et certains pas passer. Okay. Pas passer. Mais il me fait tellement mal avec sa couette là. Bon, je meurs. Lance-moi des choses. Ouais, voilà par exemple. Pas mal. Hein. Vas-y, récupère là. Merci. Aïe. Ah, y a un bruit insupportable. Insupportable. Oh, attendez. Non, c'est pas ça. Ok. Lance un truc. Oui, très bien, merci. Non, je l'ai raté. Je me prends le poison. Quel nul. Ok, c'est ça. Il est mort? Non, il est pas mort. Phase 2. Génial! J'adore! Gameplay! Punaise! Arrête de bouger, Samus! Lance-moi des crachats plutôt! Allez, je suis mort! Non, pas encore! Voilà, c'est bon! Bon, au moins il est passé en phase 2, c'est une petite amélioration, c'est pas mal! Bonjour. Veuillez allumer la lumière. Voilà. Et... Éteint. La vie pour rien. Ok, phase 2. Ma vie ou pas? Parce que... Magnifique. Oh oh. Danger. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse. Non,
faire. Oh punaise, mais... Je suis mort. Allez, bisous. Ah non. Oh, je sais. Mais par contre, j'ai plus rien là. Génial, et là il me poisonne tout. Mets-moi du crachat. Voilà, c'est bien. Donne-moi ça. Aïe. Remonte. Samus, remonte. Non! Ça, c'est ce que j'appelle une mort stupide. Qui m'attaque avec son dard et ses crocs et ses griffes. Mais ça, non, non, j'avais juste à viser, quoi. Punaise. Allez, approche. Absolument tout utilisé. Pire technique au monde. Il est nul. Allez, vas-y, tue-moi. Ah, ok. Samu. Même erreur que juste avant. Je suis dégoûté. Bon allez, on gaspille pas toutes les cartouches. Il en gaspille en toutes les cartouches. Et voilà. Je vais pas me régénérer en entier, ce serait gentil. Je sais pas si les petites balles servent vraiment là. Si il devient plus rouge. C'est le dernier truc. Moi il devient plus rouge. Aïe.
Il devient plus rouge, punaise, c'était ça. Ok, phase 3. D'accord. Je viens de comprendre un truc. Et là, il refufute. Grimpe, Samus, s'il te plaît. Ok. Quand je suis accroché contre le mur comme ça, je ne peux pas viser plus haut en vrai. C'est pour ça qu'en fait, je suis mort deux fois. Bon, trois fois maintenant. Là, que la petite mitraillette. Là, attention. Il va me faire mal. J'ai plus d'armes, j'ai plus rien, génial. Il a osé. Je vois plus rien. Je vais pas cracher un petit peu là. Vas-y, s'il te plaît. Oui. Yes. Il meurt pas ? Dis-moi que c'est fini, dis-moi que c'est fini. Il souffre. Oh, bête. Il est pas mort. Il y a une phase 4. Il y a une phase 4. Il n'y a pas de phase 4. Ok. Une bonne chose de fait. C'est dégueulasse. Un cube chorizo. Oh, je peux devenir fufu. D'accord. Mise à niveau de la combinaison pour la compatibilité Aeon. Et ça sert à quoi ? Une compétence à ion qui rend Samus invisible aux yeux des ennemis en réfractant la lumière. Elle peut aussi se déplacer en silence, mais plus lentement. Lorsque... Oh, trop bien ! Lorsque la jauge d'Aeon est pleine, appuyez sur le bouton central du joystick R pour l'activer. Appuyez à nouveau sur le même bouton pour la désactiver. Pendant que la compétence est activée, la jauge se vide lentement. Oui, normal. Se déplacer ou tirer lorsqu'elle est activée consomme de l'Aeon. Mais ça fait du bruit du coup. Une fois toute la jauge d'Aeon vide, le camouflage consomme l'énergie vitale. Ah mince! Si l'énergie vitale atteint 1, il se désactive automatiquement. Ouais, bon, ouais, ok. On peut pas mourir sur ça, mais par contre, il nous reste un point de vie.
Après désactivation, l'ion commence à se recharger automatiquement dès que Samus réalise une action. La compétence ne peut pas être utilisée à nouveau tant que la jauge n'est pas remplie en entier. Par contre, l'énergie vitale ne revient pas. Enfin, ne se recharge pas, quoi. Par contre, c'est super pratique sur les émis. Ouais. Ok. Y a rien d'autre? Eh bien, partons. Quoi? Je peux pas partir? Peut-être que c'est. Voilà. Tout simplement. Donc, maintenant que cette porte à verrou sensorielle est gérée. Ça veut dire que je vais pouvoir accéder à d'autres portes sensorielles, c'est-à-dire. Celle-là, même si en vrai ça m'apportera pas grand chose. Il y a celle-là. J'irai bien là-bas en vrai. Et du coup ça m'a enlevé mon autre marqueur ou pas? Parce que j'avais mis un autre marqueur vert. Non, il est. Ok, je peux mettre que des plein de plusieurs couleurs. Cool. Ça c'est quoi ça? C'est la statue. Où est-ce qu'il y a d'autres portes sensorielles? Bon là il y a plein de choses. Porte de zone émis mais c'est en hauteur. Là il y a un grand toboggan. Ok. Du coup, où suis-je ici? Faudrait que je monte et que j'aille là. Ce trajet semble être possible. Et sinon, à la base, ma destination c'était ça. Sauf que pour y aller, je sais pas où comment y aller à la zone en bas à gauche. Donc je vais monter, passer par la zone jaune, refaire le tour, redescendre, passer à droite. Allez go. On sauvegarde, évidemment. Ah, et on va avoir un speech. Non, pas de speech. Bon d'accord. J'avais dit zone jaune et monter par là. Oui. Ensuite, je descends par là. Oups, oh, on se calme. Carte. Oui, c'est ici, je redescends. Tac. Tac. Ensuite. Droit. Comment je passe? Ensuite ici. Et nouvelle zone, allez. Ah, ça c'est fait. Alors, petite carte. Ça, je peux l'enlever maintenant. Ça a l'air d'être une grande salle.
C'est une grande salle en fait. Je peux pas aller là. Ah! Oh punaise, il faut absolument qu'ils soient en mode contre-attaque. Non, tu montes. Hop là. Et en bas, il y a quoi au final? À part pas grand-chose. Pas grand-chose. Ok, et maintenant il y a des flammes. Comme si j'avais besoin de flammes. Transport. Très. Ça sert donc à ça. J'ai absolument pas fini cette zone. Il faudrait que je passe à une autre. Et le vaisseau, il est tout là-haut, en fait. Wow. Ok. Ça crame les fesses. Refais la carte. Est-ce que je tente le diable? Pour quand même... avancer cette carte là. Je pense pas. Hein. Donc ça, on est d'accord que c'est ceux qui nous agrippent et qui bougent avec nous. Ça m'embête quand même de changer de zone parce que j'aurais vraiment voulu aller là. Mais vraiment. Le truc, c'est que je sais plus comment on y accède. Il y a cette porte là qui m'a embêté tout à l'heure, qui doit être importante. Attendez. Très bizarre comment la map est faite. Pourquoi est-ce qu'il y aura un carré vide là? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un carré vide là? Punaise, il y a des choses encore plus cachées. Bon, ok. Je vais changer de zone. Je vais quand même changer de zone.